Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a dû un peu vous surprendre, ou pas du tout, j'en sais rien. Oui, j'ai décidé de reprendre les bilans lecture. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas que j'aime pas les vlogs, mais c'est une tannée à monter, parce qu'à chaque fois je dis je vais les monter au fur et à mesure, ce que je ne fais strictement jamais. Et c'est trop long, c'est vrai que c'est bien, parce qu'en fait, je vous donne mes avis à chaud, donc c'est beaucoup mieux. Mais à côté de ça, ouais, à chaque fois faut que je les monte, là, vous avez vu le dernier vlog, 2 heures. J'ai passé un temps infini à le monter, et du coup, en fait, je suis plus du tout motivé. Ça reviendra peut-être, ou faut que je trouve une autre façon de faire, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, je réfléchis encore. Mais du coup, avec tout ça, c'est que je suis pas venu parler lecture depuis la fin du vlog qui s'est terminé fin janvier. Donc j'ai plutôt pas mal de choses à vous parler. Pas tant que ça au final, mais il y a quand même des trucs. Donc je vais vous parler de tout ça. D'habitude, je prépare un cahier, je prends des notes et tout. Là, j'ai pris aucune note. La plupart, c'est soit j'ai posté carrément un avis, parce que maintenant j'écris directement un avis que je poste sur Instagram. Soit j'ai pas encore posté d'avis. Mais enfin bref, tout ne sera peut-être pas très frais dans ma tête. Je serai peut-être pas aussi détaillé que j'ai pu l'être dans le passé. Mais j'avais quand même, je tenais à cœur à vous parler de ces lectures. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais essayer de faire un graphique, un roman. Ce sera peut-être mieux, parce que je sais que tout le monde n'aime pas trop les graphiques, mais je vais alterner. Je pense que ce sera mieux. J'ai lu, alors celui-là, je vais passer assez vite, hein, tout le monde le connaît. J'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling en LC avec Petit Binôme. Nous avons continué notre petite exploration et pour moi, relecture de cette saga culte. C'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir. Je pense que je vais pas spoiler grand monde. Ah, au défaut d'avoir lu les livres, je pense que tout le monde a moins vu les films. Qui n'a pas vu Harry Potter, à moins que vous n'aimiez pas. Mais voilà, dans ce tome 2, on va explorer un peu plus l'univers, notamment l'antagoniste. On va apprendre des choses sur lui. Ça commence tout, petit à petit à étoffer un peu les choses. Les liens se resserrent pour les personnages principaux. C'est toujours aussi sympa. On voit qu'elle a vraiment travaillé son univers de ouf. Et je passe toujours un excellent moment. Bon voilà, après je sais qu'il y a là je dois lire le troisième. Et après ça commence à se corser parce que ça commence à devenir des petites briquettes. Mais voilà, c'est toujours sympa. Et on sent que c'est encore très jeunesse. On est qu'au tome 2 et voilà. Mais ça va s'assombrir au fur et à mesure. Vous-même vous savez, puisque en toute logique, les gens qui ont commencé des Harry Potter à 10-11 ans l'ont fini à 17 ans, si ce n'est plus, parce que je crois qu'il y a des tomes, c'est sorti 2 ans après, donc ils avaient, ouais, on va dire, 17-20 ans. Donc forcément, elle a grandi, elle a fait grandir son œuvre avec son lecteur. Bref, j'en dis pas plus, ça sert à rien, vous connaissez tous, voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais lu. On continue dans les graphiques. J'ai lu Batman et les Tortues Ninja, Amère Pizza de James Tynion 4 et Freddie E. Williams 2. Chez Nomad, alors c'était par curiosité, j'ai vu que Nomad avait relancé une nouvelle sélection, c'est la sixième ou la septième, je ne sais plus, avec des titres plus accessibles au niveau prix, dans des formats plus économiques. Je sais que c'est la sixième ou la septième parce que je me repère à Fable. Fable, il y a toujours un numéro qui sort, c'est une série en 10 tomes, je crois. Et du coup, j'ai vu ça, donc j'ai dit, bah tiens, je vais tenter. Je trouvais ça assez surprenant, Batman et les Tortues Ninja dans un même comics. Alors, Batman fait partie de ces héros que l'on connaît tous avec Superman et tout ça. Mais les Tortues Ninja, moi, je les connais non pas du tout en comics, j'ai jamais lu. Mais par rapport à la série animée des années 90 que j'avais adoré quand j'étais gosse, j'étais vraiment, mais vraiment fan des Tortues Ninja. Et je voulais vraiment voir ce que ça donnait, le mixte des deux. C'était franchement sympa, le dessin est vraiment sympa. Attendez, je vais essayer de vous trouver une planche plutôt sympathique. Je vous ai pas montré du coup de planche de l'attaque des Titans, j'aurais peut-être dû. Voilà, bon, ça représente un sale dessin, c'est plutôt sympa. Alors, je sais pas si, voilà, et là vous pouvez voir, il y a les petites tortues ninja. Donc c'est plutôt sympa, j'ai passé un bon moment, c'est pas prise de tête. Faut pas aller chercher la profondeur de Batman ici, parce que Batman, voilà, c'est quand même une œuvre assez mature, une œuvre assez... quand même assez sombre avec des ennemis emblématiques, je ne vous parle même pas du Joker que tout le monde connaît. Mais là, du coup, c'est plutôt sympa parce qu'il faut savoir que les Tortues Ninja, c'est quand même des adolescents. C'est pas des adultes. Donc Batman, qui est quand même quelqu'un qui a déjà un certain âge, qui en plus qui est milliardaire, donc qui tient plein de sociétés, donc il a un certain sérieux, face aux Tortues Ninja qui font un peu tout et n'importe quoi, c'est plutôt vraiment sympa. Il y a vraiment toute la clique, il y a les Tortues Ninja, il y a Splinter, il y a Shredder, enfin voilà. Et... La question qui va se poser plus ou moins dans cette aventure, ça va être la rencontre entre les Tortues Ninja
et Batman, mais également pourquoi les Tortues Ninja dans Batman. Il y a vraiment, ça va tourner vraiment autour de ça. J'ai passé un bon moment, c'est tout petit, c'est. Ouais, on s'amuse bien, c'est rigolo, voilà, il y a beaucoup d'humour. Le fait de voir Batman qui reste quand même assez sérieux, les tortues qui font n'importe quoi, même si elles font pas que n'importe quoi aussi. Leur façon de se battre aussi, parce qu'elles vont se battre déjà contre Batman, mais après, voilà, elles vont avoir d'autres combats. Je pense que ça a plutôt marché, puisque j'en ai un deuxième que j'ai eu, je sais pas si c'est dans la même tirage, ça devait être la sélection de la vague d'avant de Nomade. Il y en a un deuxième qui est sorti et celui-là devait être celui d'avant, je ne sais pas. Et ouais, c'est plutôt sympa si vous voulez un truc qui change un peu et vous apprendrez pas grand-chose sur Batman dans celui-là. Je pense qu'il faut pas être non plus familier que ça de l'univers. Moi, je le suis vaguement de mes souvenirs d'enfant, mais sinon, vous pouvez rentrer dans le récit facilement. C'est aussi le but de Nomade, de pouvoir acquérir de nouveaux lecteurs et de les faire rentrer avec des titres un peu one shot. Ça ne demande pas d'avoir une culture énorme autour d'ici en fait. Donc j'ai passé un super bon moment, c'était vraiment top. J'ai fini, enfin! Il était temps. Percy Jackson, ça y est. J'ai enfin terminé. J'ai lu le dernier tome qui s'appelle Le Dernier Olympien de Rick Riordan, donc ici ce livre de poche jeunesse. Je l'ai lu en lecture commune avec Jérôme. Donc je remercie du coup de sa compagnie parce qu'en fait Jérôme est en train de les lire et moi j'avais pas sorti de tome depuis plus d'un an. Et je me suis dit, je vais pas réussir à raccrocher les wagons, tout ça. J'ai au pire, j'aurais Jérôme avec moi, il me servira de Wikipédia, et je serais moins embêté. Donc Jérôme, quand il s'est mis, je l'ai suivi. Au final, j'ai passé un super bon moment. Donc, pour résumer, Percy Jackson, c'est pareil, je vais pas non plus en faire des caisses, ça sert à rien. On suit donc Percy, qui est un jeune adolescent, qui se fait attaquer, je crois, pendant qu'il va faire une visite de musée avec une sortie d'école. Et il découvre que sa mère a fricoté avec un dieu, et qu'il est donc demi-dieu, il a lui-même une partie de pouvoir comme son père. Je ne vous dis pas qui est son père, parce que c'est un peu le suspense du premier tome, je crois. Alors je ne sais plus si c'est le suspense jusqu'à la fin, mais il y a une partie du premier tome, je sais que ça tourne autour de ça. Et on passe un super moment, donc du coup on va voir Percy qui va comment rejoindre une école de demi-dieux et cette école est dispatchée en différents bungalows et chaque bungalow correspond à un dieu. Donc les enfants de Zeus vont être dans le bungalow de Zeus, les enfants de machin, là. Et après vous avez également dans l'école un oracle et elle donne des prophéties, elle va balancer une prophétie qui concernerait Percy. Et de là va découler toute l'histoire. C'est en 5 tomes, vous avez une aventure à chaque tome plus un fil rouge en fond. Là, on vient clôturer un peu tout, c'est vraiment l'apothéose sur le fil rouge. Je ne peux pas trop vous en dire, vous vous doutez bien. Mais j'ai passé un excellent moment, j'ai réussi à raccrocher les wagons. Il y a 2-3 trucs où je ne savais plus trop, j'ai demandé à Jérôme. Il m'a dit, bah tiens, tel personnage, c'est ça, il y en avait deux que je confondais. Il m'a remis les idées au clair, du coup, j'ai tout pigé et je l'ai eu en 2-3 jours, je crois. Ça se lit super bien. C'est vraiment sympa. Alors, c'est pas mon tome préféré parce que je trouve qu'il y a un petit défaut, enfin un défaut. Quelque chose qui moi m'a gêné, c'est pour la même chose que pour le 3, c'est qu'à chaque fois il va y avoir une quête pendant le tome et il va y avoir des épreuves ou des obstacles sur leur route. Et je trouve que dans le 3 et dans le 5, je l'ai moins ressenti dans les autres, c'est très répétitif. Par contre, quelque chose qu'il a relevé haut la main, c'est qu'on ne s'ennuie pas et pourtant tout se passe au même endroit. Et je ne me suis jamais ennuyé. On dit toujours que c'est pas évident quand on écrit une œuvre, comme je vais reprendre l'exemple de. Il est où? De Harry Potter, qui est ici. J.K. Rowling a créé un univers de dingue. Il faut pouvoir créer un univers, rester cohérent, ne pas aller dans la surenchère ou dans la facilité et de modifier des trucs en disant, ben non, en fait, ça on peut le faire. Pour que son histoire aille bien, ça c'est pas évident. Mais faire ce qu'a fait Rick Riordan n'est pas évident non plus, parce qu'il faut quand même créer un univers tout en respectant des codes, c'est-à-dire ceux de la héro des héros de la mythologie. Parce qu'il va parler des dieux majeurs, donc Zeus, Poséidon, Hadès et tout ça, mais également tous les dieux mineurs. Il va en caser un maximum. On sent que c'est jamais forcé, il arrive toujours à placer le héros qu'il faut à tel endroit. Donc moi j'ai découvert des dieux que je connaissais pas. Et il n'en fait pas non plus n'importe quoi, les dieux, il les respecte, c'est à l'image de ce qu'on en a dans la mythologie, c'est qu'ils viennent parmi les humains, mais ils sont un peu hautains, ils sont un peu marginaux, ils se sentent au-dessus de tout le monde, donc des fois ils font des trucs, t'es en mode, t'as pas l'impression d'abuser un peu, gars. Et ça, ils respectent tout ça. Donc c'était franchement, c'était vraiment top. Il arrive vraiment à caler, il va même remettre des clins d'œil sur
bah, du coup, les histoires des différents dieux, elle est reclassée là. Ça s'est super bien passé. On la compare souvent à Harry Potter, je trouve que ça n'a rien à voir. Si vous aimez tout ce qui est la mythologie, allez-y. Je pense qu'on peut lire ça à partir de 13 ans. Des enfants de 13 ans, c'est, je sais que moi quand j'étais gosse, j'adorais la mythologie, j'aurais adoré découvrir ça à 13 ans. Là, j'en ai un petit peu plus. Ça suit toujours bien, mais on sent que ça reste quand même un petit peu jeunesse. Même si ça s'assombrit au fil des tomes, c'est ce que disait Jérôme, il y avait moins de blagues et tout ça. Mais ça reste sympa. Il y a la série aussi qui est sortie sur Disney+, parce que les films, franchement, moi j'ai vu le premier film. J'avais acheté le livre d'ailleurs à l'époque de la sortie du film, et j'avais été très déçu par le film, que j'avais trouvé pas terrible, pas très bon. Enfin, à mon humble avis. J'ai pas vu le deuxième que j'avais acheté, mais j'ai pas vu. Et ils ont refait la série. Alors, je sais pas, la série, j'ai entendu des bons échos et des mauvais, donc j'en sais rien. Jérôme a trouvé ça pas mal, donc je me suis fié à lui. Et faudrait que je tente un de ces quatre. Mais voilà, ça reste vraiment une série sympa. Bon, après, c'est des séries, entre guillemets, à rallonge, parce que vous avez après une suite avec les héros de l'Olympe, qui est également en 5 tomes. Mais voilà, moi, je l'ai dans ma palle, je la lirai. Avec Jérôme, quand je ne sais pas, parce que je vais essayer de lire les écrits de Rick Riordan dans l'ordre qu'il les a publiés. Parce qu'il a publié également, vous le verrez dans le prochain haul, les chroniques de Kane, qui reprend la mythologie égyptienne, mais c'est une trilogie. Et après, il va prendre aussi Magnus Kane, Chase, non, Magnus Chase, qui reprend la mythologie nordique en 3 tomes également. Donc on va essayer de faire dans l'ordre. Je crois qu'il a sorti la mythologie égyptienne, donc les chroniques de Kane. Ensuite, il a écrit Les Héros de l'Olympe, où on reprend certains. Je ne sais plus ce qui se passe, parce que le tome se finit sur un truc qu'on comprend que ça peut s'arrêter là, mais ça peut continuer. Donc, ils avaient peut-être un peu. Voilà, il avait peut-être espoir, l'auteur, de pouvoir faire autre chose, ce qu'il a pu faire. Et il y a d'autres séries aussi qu'a fait Rick Riordan, mais on ne peut pas tout faire. Mais on continuera sur cette lancée, si Jérôme veut bien suivre, donc. On fera ça ensemble, mais ça reste vraiment sympathique à lire. Et comme vous le savez, moi, la mythologie égyptienne et la mythologie nordique, j'adore. Donc, je serais très content de découvrir ce qu'il a fait avec de nouveaux personnages. Bon, faut pas s'attendre non plus à une révolution. Je pense qu'il va reprendre un peu la même recette. Mais c'est bien fait, on passe un bon moment. Moi, j'en demande pas plus. Donc, c'est vraiment très cool et j'ai passé un très bon moment avec ce dernier tome. En parlant de mythologie égyptienne, continuons dans cet univers. J'ai lu Toutankhamon, l'Odyssée d'Howard Carter de Marcel et Mallet aux Arènes. BD que j'ai découvert par hasard, je ne connaissais pas du tout. BD qui est absolument sublime. Je ne vais pas vous montrer les dessins parce que je pense que vous les avez. Je vous en ai montré la dernière fois, je vais vous en montrer une autre. Je vais vous montrer une autre planche. Attendez, je regarde si je trouve une belle planche. Bon, la première, on ne va pas s'embêter. Je trouve que le dessin est quand même absolument sublime, très réaliste. C'est une BD qui va venir faire une partie de la biographie de la vie de Howard Carter, celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon. C'est pas mal, je trouve que c'est une bonne première approche. Moi, Toutankhamon, j'en sais comme tout le monde, voilà, que c'était un jeune roi qu'on a retrouvé un petit peu par hasard dans sa tombe. Mais qu'il y avait un petit peu de mystère autour de lui, tout ça. Tout est expliqué à l'intérieur. On passe vraiment un bon moment parce que vous verrez, je vous le montre aussi dans le bookhaul que j'ai déjà tourné. J'ai un livre qui est là, qui reprend l'histoire de Howard Carter, parce que c'est lui-même qui a écrit le récit. On découvre aussi Howard Carter qui à la base est dessinateur et il va être embauché sur des fouilles archéologiques et au fur et à mesure du temps, il va un petit peu changer de métier ou avoir une obsession de trouver d'autres tombes. On a également à côté des petits flashbacks sur la vie de Toutankhamon, assez bref, parce que je pense qu'on ne peut pas tout savoir sur les Égyptiens. Moi, je l'avais lu sur des livres de Christian Jacques, notamment, c'est que, et même pas que Christian Jacques, mais il y avait également le livre sur Cléopâtre, je ne sais plus l'auteur, malheureusement. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous remettrai une insert. Mais il nous expliquait que, voilà, malheureusement, au fil des siècles, parce que les Égyptiens, ça date de il y a très 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 longtemps, hein. Et au fil des siècles. Les tombes ont été pillées, au marché noir on a vendu énormément de choses, ou alors on a cassé des choses. Et du coup, tout ce qui pouvait être un témoignage sur cette vie ces vies passées a été un peu passé à la trappe. Donc du coup, on ne sait plus grand-chose aujourd'hui, il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, j'ai passé un super bon moment. Howard Carter est quelqu'un qui est assez tenace, qui lâche à rien, et qui a quand même trouvé une tombe absolument magnifique, hein, qui regorgeait de secrets, de trésors, mais ça lui a mis pas mal de bâtons dans les roues. Et à défaut du coup de découvrir avec une biographie officielle, si vous êtes amateur de tout ce qui est égyptologie, mais sans aller trop loin,
Ça peut être sympa. Il y avait un petit explicatif à la fin sur, avec une carte notamment et sur la vie de Toutankhamon. Je vous avouerai que j'ai pas tout bien compris. Hein, voilà, c'est écrit par un homme qui est égyptologue et enseignant à l'école du Louvre et à l'Institut Khéops. Et j'avoue que j'ai décroché au bout d'un moment parce qu'il a voulu écrire ça, je pense, pour faire un petit topo. J'étais peut-être pas à même de pas assez concentré pour tout comprendre, j'en sais rien. Bref, j'ai un peu décroché au bout d'un moment parce qu'il me parlait plein de noms, plein de lieux, j'étais un peu perdu. Peut-être que vous ne le serez pas, mais j'ai passé un super bon moment avec cette BD qui était vraiment sympa et que j'ai jamais vu passer nulle part. Donc, je suis content de vous la montrer aujourd'hui. En parlant de saga. Oui, je sais pas ce que j'ai eu au mois de février, je n'ai fait que de lire des sagas, je viens de m'en rendre compte, là, et c'est plutôt cool. J'ai lu le deuxième tome de Ciel sans étoiles de Yoann Dubos, paru chez Snag. J'avais lu le premier tome plusieurs fois, je vous l'avais déjà montré. C'est Ambition que j'avais lu lors de Avril autour de l'ASF l'année dernière, et j'ai dit qu'il était temps que je continue. Donc j'ai découvert cette suite. En gros, pour vous rappeler l'histoire, il y a des astronautes qui sont dans l'espace et qui vont se rendre compte à un moment qu'ils vont toucher quelque chose d'invisible dans l'espace. Et en touchant cette chose, ça va briser un voile entre les humains, donc nous, et les êtres surnaturels, les fées, les ogres et tout ça. Et du jour au lendemain, les humains vont devoir côtoyer ces bêtes-là. Donc tout ce folklore fantastique. Que eux, certains pouvaient nous voir, mais nous, on ne pouvait pas les voir. Bien évidemment, de rencontrer ce folklore incombe aussi de devoir vivre avec leur façon d'être, notamment les fées. Une fée, on ne peut pas la toucher. Si on touche une fée, il nous arrive une bricole. Genre, au tout début, alors c'est vraiment, je vous spoil rien, c'est vraiment le prologue du livre. Justement, la frontière, elle est touchée, ça brise le voile, et là, le monde devient silencieux, devient muet, il n'y a plus un bruit. Et un mec se retrouve à voir apparaître devant lui une fée, il ne sait pas ce qui se passe, et la première chose qu'il fait, qu'on ferait tous, je pense, il veut mettre son doigt pour aller la toucher. La fée est apeurée, la fée recule, parce qu'elle se dit, mais il fait quoi? Comment ça se fait qu'il me voit? Je comprends pas, elle est complètement affolée. Et en voulant toucher la fée, il y a une voiture qui tombe dessus, il meurt. Je crois que c'est une voiture ou un piano, je ne sais plus. Non, un piano, ça fait un peu cartoon. Hein. Je ne sais plus. Il y a quelque chose qui tombe dessus, il meurt aussitôt. Et là, on comprend qu'une fée, ça ne doit pas être touchée. Donc du coup, suite à ça, les humains vont apprendre à vivre avec ces créatures. Ensuite, le récit va partir un petit peu plus loin dans le temps. Et on va voir ce que tout cela donne. Donc à travers ce récit, il va y avoir des notions autour du racisme, autour de différentes cultures. Voilà, il y a plusieurs métaphores et tout. Et j'avais adoré le premier tome qui replaçait du coup qui plaçait les personnages, qui plaçait l'univers. Je trouve que Yuan, il a un univers mais absolument affolant, rempli de détails. Franchement, on voit qu'il a réfléchi à énormément de choses. Faut faire ce qu'il a fait, tout le monde ne saurait pas le faire, je pense. Mais c'est très bien fait. En plus, je crois que c'est un de ses premiers écrits publiés. Donc chapeau, franchement chapeau. Donc j'étais tout content de commencer ce tome 2. J'avoue que les premières pages, les premiers chapitres, j'étais là, je fais, mais c'est lent. Bah, le premier tome, il y avait vraiment énormément d'action. Je trouve que Yuan, c'est ce que je vous avais expliqué, il a cette façon d'introduire ses personnages tout en commençant déjà son histoire. Donc vous ennuyez jamais, ça pète dans tous les côtés. Et en même temps, il vous explique l'univers, on n'est jamais perdu, c'était vraiment top. Et là, du coup, on démarre de façon un peu plus lente. Et sur le coup, je fais, oh, c'est dommage, je fais. J'avais adoré le premier tome, je dis là j'accroche un peu moins, il se passe rien. Et en fait on se rend compte au bout d'un moment qu'il continue à placer ses pions. Parce que même s'il a commencé à mettre l'action en route, à nous expliquer un petit peu l'intrigue, il n'a pas fini de présenter son univers. Donc c'est ce qu'il fait ici. Ici ce tome 2 va être un peu plus lent, mais il est toujours aussi intéressant, il est toujours aussi étoffé. Au niveau de l'univers, on apprend plein de choses. Et moi j'étais mais complètement abasourdi parce qu'il expliquait, mais ébahi, je me dis mais. C'est qui va chercher tout ça quoi. Tout est cohérent. Il y a plein de notions sur les créatures qui nous expliquent les propriétés, donc avec des notions scientifiques, on va dire. Il vous explique les trucs avec une simplicité. Pourtant, même moi, je n'aurais pas voulu réexpliquer à l'oral, mais lui, il y va. Mais je sais pas. Je sais pas comment il fait. C'est très fluide. On comprend tout parce qu'il y a des fois, il y a des livres, on va vous expliquer le truc, tu comprends rien. Là, je trouve qu'on comprend tout. Je fais, mais c'est d'une fluidité, c'est affolant. Et on s'attache toujours au personnage. Le personnage féminin, je ne sais plus, Miranda, elle est géniale. Franchement, elle a un caractère de ouf. Elle tient la dragée haute à tout le monde, elle ne se laisse pas faire. C'est un personnage féminin qui est absolument génial. Il y a de nouveaux personnages aussi qui arrivent.
On commence à discerner un peu plus l'intrigue, on apprend de nouvelles choses, on est là, on fait non, c'est génial. Franchement, si vous n'avez pas découvert cette saga, j'en suis qu'au tome 2, donc je vais essayer de lire le tome 3 ce mois-ci et le terminer au mois d'avril, comme ça j'aurai encore fini une saga. Oui, parce que l'année dernière, j'ai rien fini, j'ai rien fait, donc cette année, j'essaie d'être un petit peu plus studieux à ce niveau-là pour être tranquille. Mais franchement, je ne m'inquiète pas. La première fois que j'ai lu le tome 1, j'avais eu un coup de cœur, mais génialissime. Je me rappelle, comme c'était hier, j'avais été immergé dans l'univers, j'avais trouvé ça génial. Le tome 2, pareil, il fallait le temps que ça redémarre, le temps que je raccroche plus ou moins les wagons. J'ai passé un excellent moment. Alors, dans le tome 2, si vous vous demandez, il n'y a pas de résumé au début, mais c'est fait à partir du tome 3. Donc le tome 3 et 4 auront un résumé des épisodes précédents. Moi, le tome 2, j'avais un résumé que m'avait envoyé directement l'auteur sur Facebook à l'époque, donc ça remonte, il n'y avait pas... Je crois qu'Instagram, je devais pas y être à l'époque, mais c'est très vieux, hein, parce que je sais pas. Il y en a un qui est sorti par an. Celui-là est sorti en. Ah, ça va être écrit là. Celui-ci est sorti en 2020. Donc le précédent est sorti en 2019. Ouais, je devais pas être sur Instagram, ou je devais seulement venir d'arriver, je sais plus. Mais voilà, les couvertures sont toujours aussi top. L'univers est vraiment fouillé. On est. Alors, je trouvais que le premier tome, on était à mi-chemin entre la science-fiction et la fantasy. On appelle ça de la science-fantasy, je sais pas si. Ça va correspondre à ce que Johan déterminerait sur son récit. Le tome 2 est beaucoup plus science-fiction, je trouve, mais c'est vraiment top. Il emprunte à énormément de références pop culture. Moi, je vois certaines choses. On sent que ça doit être un gamer aussi, parce que ça se ressent, je trouve, dans la façon de traiter son histoire. J'ai hâte de lire la suite. Avec Margot, j'ai découvert en lecture commune, comme d'habitude, hein, je ne vous fais pas de surprise, Junji Ito avec l'amour et la mort, donc chez Mangetsu, avec ses superbes éditions, avec ses superbes couvertures. Que voulez-vous que je vous dise? C'est toujours aussi sublime. Donc ici, on a une histoire complète sur la moitié du tome, ensuite il y a des nouvelles. Je crois que sur toutes les histoires que j'ai lues de Junji Ito, je n'ai jamais été aussi ébloui par son dessin, que je trouve absolument magnifique. Je trouve qu'ici, il s'est surpassé. Pourtant, ça date, je crois que j'avais regardé, c'était peut-être fin 90. Mais en plus, il va rajouter un élément un peu plus compliqué, c'est que bah, je vous expliquerai après. Regardez ce dessin. Oh, le dessin est sublime, franchement. Ici, on nous explique, on suit un jeune, on est dans la ville de Nazumi, et on suit un jeune Ryosuke. Ryosuke déménage dans une nouvelle ville avec ses parents, et il apprend qu'il y a une coutume dans cette ville, c'est que la ville est plongée régulièrement dans le brouillard. Les gens se mettent au coin de rue. Alors, c'est issu d'une inspiré d'une légende urbaine. Les gens se mettent au coin de rue, cachent leur visage comme ça et demandent aux premiers passants qui passent, par exemple, qu'est-ce qui va se passer avec mon amoureux? C'est souvent des questions autour de l'amour. Et ce que la personne va répondre, normalement, va se réaliser. La personne doit servir plus ou moins d'oracle. Et il y a une petite mode avec ça qui se met en route. Mais très vite, on va se rendre compte qu'il y a un jeune homme qui est ici, qui lui annonce que des mauvaises choses et il va commencer à se passer des choses un petit peu sanglantes. Mais notamment avec Junji Ito, vous doutez bien qu'on n'est pas chez les bisounours. Et voilà, et à côté de ça, Ryosuke, on va découvrir un peu son passé, on va voir qu'il est un petit peu traumatisé, mais franchement, on le suit sur 4 ou 5 chapitres, hein. Je crois que, je ne sais pas jusqu'où va l'histoire, mais elle dure un petit moment. Voilà, sur tout le tome, ça dure tout ça quand même. Tout ça, c'est l'amour et la mort. Il y a d'autres nouvelles après qui sont plus anecdotiques. En plus, ça m'a encore gonflé une fois de plus. Il y a une nouvelle qu'on avait déjà lue ailleurs, donc ça m'énerve. Et j'aurais préféré qu'il publie que l'histoire, parce qu'en fait, du coup, comme on commence avec cette grande histoire, on a tendance à poursuivre pour terminer le manga. Donc, du coup, comme on lit la suite, ça estompe un peu les souvenirs ou le ressenti qu'on avait sur la première histoire, et ça vient un peu casser le truc. Mais c'était vraiment génial, donc on va du coup y aborder. L'amour de façon positive, de façon négative, ce que l'amour peut nous faire ou qu'elle peut pousser à faire chez quelqu'un, c'est pas que le côté bienveillant, je suis amoureux, je pourrais déplacer des montagnes, et aussi voilà l'amour toxique, entre autres.
Le pouvoir des mots aussi, on va aborder ça, parce que du coup, bah, les gens vont donner du coup des prédictions aux gens qui réclament. Donc c'est comme si vous étiez au coin de la rue derrière votre bouquin, et que moi je passe à ce moment-là et vous me dites qu'est-ce qui va se passer avec mon amour, et que moi à ce moment-là j'en ai franchement rien à faire, et je vous dis bah ça va casser, c'est bon, ça me gave. Du coup, ça va jouer sur la personne, sur sa fragilité psychologique, parce qu'il y a un côté très psychologique aussi. Le coup, il y a le brouillard, je pouvais me dire aussi qu'il y a cette idée que l'amour c'est un peu l'inconnu, et du coup quand vous avez le brouillard, vous avez certaines silhouettes, on n'arrive pas vraiment à discerner qui c'est, et du coup il y a cette idée-là qui m'a, auquel je pensais, voilà, ça fait ça, je le dis tout, les dessine comme ça, on ne sait pas trop qui c'est. Et du coup, voilà, on va un peu disserter autour de tout ça. J'ai passé un très très bon moment. Et du coup, ça m'a donné une inspiration de lecture. Parce que dedans. Alors au début, il y a toujours une petite page d'introduction. On va introduire à quel moment est sorti ce titre et tout, machin. Pourquoi et tout. Et à la fin, il y a toujours une petite analyse de toutes les histoires qu'il y a eu dans le. Ben, c'est un recueil du coup. Et on nous fait référence notamment au. À Théophile Gautier, le mort amoureux, je crois que c'est ça. C'est le mort amoureux? Non, le mort amoureux, c'est l'ancien titre de ce manga-là. Je sais plus si. Attendez, je vais regarder parce que. La morte amoureuse, voilà, de Théophile Gautier qui est paru en 1836. Ils ont mis des extraits de phrases que j'ai trouvé absolument sublimes et j'ai dit, il faut que je l'achète. Donc je l'ai commandé. Je l'ai trouvé en Librio à 2 euros. Donc je me suis dit que un de ces quatre, je me le lirai. Ouais, par exemple, la citation qui est donnée là, on nous dit. Donc c'est une citation du livre La morte amoureuse. Oui, j'ai aimé comme personne au monde n'a aimé, d'un amour insensé et furieux, si violent que je suis étonné qu'il n'ait pas fait éclater mon cœur. Et voilà, moi cette phrase-là, j'étais cueilli, j'ai dit c'est bon, faut que je lise. Alors c'est pareil, c'est une nouvelle, hein, c'est pas une histoire très très longue, mais qui aurait, on suppose, inspiré Junji Ito pour cette histoire. Donc voilà, c'est encore une fois. Je trouve qu'on change un peu de Junji Ito parce que Junji Ito fait notamment des nouvelles, quelquefois de grandes histoires. Et moi, les grandes histoires, j'ai pas toujours été. Je rappelle que je n'ai pas lu Spiral parce qu'il paraît que Spiral, c'est son chef-d'œuvre. J'ai pas lu. J'en ai lu quelques-unes. J'avais lu Gyo qui était pas mal. Il y avait le truc de l'école décomposée, non? Oui, l'école décomposée, j'avais pas été de ouf. Et là, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc voilà. Donc encore une très bonne lecture. Ça reste parmi mes titres préférés, je pense, de Junji Ito. Rien qu'au niveau du dessin, c'était mais éblouissant. Vous verrez, il y a. Du coup, on va voir aussi d'autres choses, notamment une femme tatouée qui arrive, qui est tatouée de la tête aux pieds. Il l'a dessinée, mais elle est absolument sublime. Je sais pas si on la voit à la fin. Alors, c'est pas vraiment un spoil parce que vous savez pas pourquoi elle est là. Je sais pas si je peux vous la montrer ou pas. Je vous la montre. Si vous voulez pas regarder, vous ne regardez pas si vous voulez pas être spoilé. Mais vous allez voir, on voit que son visage, il est sublime. Voilà le dessin. C'est toujours aussi sublime. Donc, j'ai passé un très bon moment avec ce titre. Et là, bah, avec Margot, on arrive petit à petit au bout parce qu'il nous en reste plus tant que ça à découvrir. Là, par contre, ça fait un petit peu plus peur. Je vais vous parler d'un titre que vous voyez en ce moment absolument partout, mais tant pis. Je vous avais parlé du tome 1 dans le vlog. Voici le tome 2 et le tome 3 de Blake Crouch, Wayward Pines. Je les ai découverts au moment où ils sont parus, reparus, parce que c'est une réédition, hein, c'est sorti déjà en 2015. J'ai lu le tome 1, j'ai surkiffé, je vous en ai parlé. Là, je viens de découvrir le tome 2 et le tome 3. Je pourrais pas trop en dire encore une fois de plus, je veux vraiment laisser aux gens la découverte vraiment complète. Je vous rappelle juste qu'on suit un homme qui s'appelle Ethan Burke, qui se réveille dans une rue complètement amnésique, dans une ville qui s'appelle Wayward Pines. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui se passe, il essaye de comprendre, il se souvient juste d'un nom. Et il va essayer de retrouver le nom de cette personne dans cette ville et de retrouver cette personne pour savoir qui il est. Et je n'en dirai pas plus, et c'est là que tout va commencer. Chaque livre est très différent, mais à aucun moment on ne s'ennuie. Il y a peut-être quand même, alors ça c'est personnel, je ne vous dirai pas quel livre, je ne vous dirai pas pourquoi, parce que mystère oblige, sinon je serai obligé de vous tuer après. Non, voilà, je veux vraiment vous laisser la surprise si vous voulez le lire. Il y en a un que j'ai un peu moins apprécié parce qu'il emprunte à un genre littéraire que j'ai déjà lu beaucoup.
Et du coup, ben, il y avait moins cet effet de surprise. C'est très bien fait, attention, hein, je ne dis pas le contraire. Mais du coup, il y avait moins cet effet de surprise. Mais j'ai quand même passé un excellent moment. Il faut savoir quand même que j'ai lu les tomes 3 pratiquement d'affilée. Pas complètement, parce que du coup, j'attendais la parution à chaque fois. Toujours avec autant de plaisir. D'habitude, moi, une saga, j'arrive pas à enchaîner. Pour vous donner un exemple, au moment où je vous parle, Marco, ben, j'en ai tellement parlé que elle a voulu découvrir. Et j'avais des arguments de choc. Et elle a enchaîné les 3. Et Marco, elle est comme moi, elle n'enchaîne jamais des sagas. Elle a lu le tome 1. Donc, comme elle s'est pris plus tard, ils étaient déjà tous sortis. Elle a lu le tome 1, elle a enchaîné avec le tome 2. Et là, elle vient de commencer le tome 3. Elle ne s'arrête pas. Donc, voilà. Si vous êtes en panne de lecture actuellement, je pense, parce qu'on sort toujours, tout le monde sort toujours des vidéos sur comment éviter une panne de lecture, voici les 10 règles à suivre. Non. Ça marche pas forcément pour tout le monde. Une chose est sûre, si vous voulez prendre une lecture hein, qui va vous attraper dès le début, lisez Wayward Pines. Vous verrez. Franchement, à moins que vous n'aimiez pas ce genre-là ou que vous avez déjà lu mieux, hein, peut-être. Si vous avez lu mieux, vous pouvez me donner le titre en commentaire, moi je veux bien. Et franchement, l'auteur va vous attraper dès le début. Il fait des phrases courtes, il va à l'essentiel, il n'y a pas trop de détails. Je trouve qu'il a une plume qui est vraiment saisissante, assez vive. C'est du divertissement, il est également scénariste, donc il sait ce qu'il fait. Il sait où placer ses pions. Je vais mettre ça. Bim. Toi, il t'attrape. Voilà. Ensuite, il te remet dans une autre set. Il te secoue un petit peu. Il te remet là. Et toi, t'en prends plein la tête. Tu comprends pas ce qui se passe. Ça reste par contre du divertissement pop-corn. Faut pas non plus s'attendre à un chef-d'œuvre. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais voilà, ça fait le job. Comme je dis à chaque fois, je l'ai peut-être déjà dit 1000 fois dans cette vidéo, la lecture à la base est une passion et on recherche juste du divertissement. À se divertir. Tant qu'on sort du livre avec une banane jusque-là et qu'on a passé un super moment, le job est fait. Et là, c'est exactement ce que fait cette trilogie donc, qui est parue chez Gallmaster dans la collection Totem, qui n'est pas très chère en plus parce qu'ils ont repris la traduction, c'était apparu chez J'ai lu de base. La traduction est de, c'est vrai qu'on donne jamais le nom des. C'est traduit de l'américain par Patrick Imbert. Et du coup, là, ils n'ont pas dû repayer la traduction. Ils ont juste repris les droits. Donc, du coup, les livres ne sont qu'à 7 ou 8 euros. Parce que d'habitude, un Gallmaster, c'est plus 10, 11 euros. Et ça dépend. Des fois, ils sont même un peu plus chers s'ils sont un peu plus gros. Franchement, allez-y. C'est tout ce que je vous dirais. Si vous aimez Lost ou Twin Peaks, j'en ai déjà parlé dans le vlog, ça peut forcément vous accrocher. C'est sûr. Parce que j'en ai parlé à Margot, qui est hyper fan de Lost. Elle a accroché de suite. Olivia est hyper fan de Lost. Elle accroche aussi. Et elle enchaîne aussi les tomes. Donc voilà, c'est une petite drogue qui ne fait pas de mal. Et voilà, on passe à un bon moment. C'est pas inoubliable, hein. Moi je sais que voilà, je la relirai. Je sais pas si je la relirai dans quelques années parce que du coup j'aurais pu se. Parce que ça joue beaucoup sur certains mystères. Et une fois qu'on sait les mystères, c'est comme un thriller. Moi un thriller, je relis jamais parce que je sais qui c'est le tueur. Hein, le thriller basique, donc je vois plus l'intérêt. Mais voilà, c'est pas inoubliable non plus. On va pas non plus s'enflammer et dire que c'est le coup de cœur monumental de l'année. J'ai pas eu de coup de cœur dessus, j'ai adoré ma lecture, c'est tout. Et pour finir, dernière lecture. Je vais un petit peu vite, hein, mais ouais, je peux pas développer comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. C'est celle-ci que j'ai fini hier soir. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong, paru chez Sabran. Donc, c'est le tome 1. Vous avez le tome 2 qui est ici. Nos fins violentes. Je l'ai lu en lecture commune avec Céline Lecture. On l'a mis sur une semaine. Et comment vous dire? Ce n'était pas de la tarte. Pour vous résumer l'histoire, on reprend Chloé Gong reprend le mythe de Roméo et Juliette, enfin le mythe, le chef-d'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette, et elle va reprendre les personnages mais les placer dans un Shanghai dans les années 20. On est dans la mafia. En gros, voilà. Donc on suit du coup Juliette qui fait partie des Écarlates, donc c'est le groupe de mafia qui existe à Shanghai. Et à l'opposé, vous avez Roméo qui devient Roma, qui est russe et s'appelle Roma Montagov. Et lui fait partie des Fleurs Blanches. Deux clans qui se détestent cordialement et qui essayent de se disputer sur le territoire de Shanghai. Faut penser que dans les années 20, je ne sais pas, hein, je vous le dis parce que je l'ai lu dans le livre, hein, je ne veux pas faire passer pour le mec qui sait tout, hein, parce que c'est pas vrai. Faut savoir que dans les années 20, Shanghai est envahi par les Britanniques, notamment par les Français, également par les Russes, parce qu'on apprend par exemple que la famille de Roma. S'est exilée parce qu'elle voulait fuir le régime bolchevique ou quelque chose comme ça. Ah, je connais rien en politique. Hein. Ça se dit peut-être pas le régime bolchevique, j'en sais rien. Du coup, ils sont atterris ici et ça crée un petit peu des conflits parce qu'il y a quand même cette notion de colonialisme. Oh, c'est dur à dire.
où les Européens s'approprient un peu trop Shanghai et c'est pas trop apprécié. Je pense que l'autrice a vraiment voulu dénoncer certaines choses, qu'on leur volait leur culture, leur territoire aussi. Parce que vous vous rendez compte, je le dis à tout le monde, et c'est un truc qui m'a vraiment révolté et choqué, dans les années 20, parce qu'il y a quand même des réalités historiques, elle le dit à la fin de ce premier tome, l'autrice, sur ses inspirations et tout. Faut savoir qu'à Shanghai, dans les années 20, il y avait soit des Britanniques, soit des Français, qui avaient créé des endroits où c'était marqué à l'entrée interdit aux Chinois. On est en Chine. À quel moment vous refusez que des gens où c'est leur pays n'ont pas le droit de rentrer dans certains endroits? C'est affolant, quoi. Bref, donc au milieu de tout ça, de ce Shanghai des années 20, il y a une menace, un espèce de virus qui est en train de se propager dans la ville, où les gens deviennent complètement fous, on appelle ça la folie, et finissent par perdre la tête et s'arracher la gorge à main nue. Ah oui, c'est toujours très poétique avec moi. Je ne savais même pas, parce que j'ai pas relu le résumé, donc je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Et du coup, tout va partir de là. Je vous en dis pas plus, ça sert à rien. La réécriture de Roméo et Juliette, ok, mais voilà, c'est assez en surface, hein. Il y aura quelques clins d'œil à certaines scènes mythiques de la pièce de théâtre. Ça va pas beaucoup plus loin. C'est vraiment, ouais, elle va pas vraiment se réapproprier et réécrire carrément la pièce de théâtre, juste à la replacer dans le contexte. Voilà, c'est juste. Elle parfume un peu son récit, et voilà, on prend Roméo, ça devient Roma, Juliette reste Juliette, et point. Vous avez donc cette grande notion politique qui est présente. Je vous le dis parce que moi, je ne suis pas politique, mais ça m'a pas gêné. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est vraiment présente dans le roman, donc il va falloir adhérer. Si franchement la politique, c'est quelque chose que vous aimez pas, je pense que ça vous plaira pas. Je pense que l'autrice avait besoin de parler de ses origines, de parler de ce qui s'était passé, des traumas qu'il y a eu dans son pays. Et elle l'a fait à travers ce roman. Il y avait quand même des injustices. À travers ça, elle va développer le personnage de Juliette, qui est vraiment le personnage, franchement, le mieux du roman, que moi j'ai vraiment le plus apprécié, qui est une femme forte, mais elle en fait un personnage nuancé. C'est-à-dire que c'est une femme qui est forte, qui se laisse pas faire, mais qui a quand même des faiblesses, qui reste quand même une femme entourée d'hommes. Elle a également ce petit souci d'héritage familial. Elle doit être, après ses parents, celle qui doit tenir du coup le clan des Écarlates. Donc on ne lui laisse rien passer. Mais comme c'est une femme, c'est deux fois plus dur que chez un homme. Il y a tout un pan féministe qui est présent également dans le livre. Et c'est également une femme asiatique. C'est pas une femme blanche. Donc c'est encore plus compliqué d'y arriver. On est dans un pays chinois, certes, mais où il y a également de races blanches. Il y a les Français, il y a les Britanniques. Donc du coup, c'est encore plus compliqué pour elle. Elle a énormément de handicap. Elle a voulu, je pense, inverser les rôles entre le rôle masculin et le rôle féminin, parce que dans beaucoup de livres, peut-être un peu moins maintenant, mais le rôle masculin était quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus présent que le rôle féminin, des fois qui était un peu anecdotique ou qui cherchait de femme objet. Là, elle a voulu inverser les pôles. Le problème, c'est que du coup, c'est Céline qui me l'a dit et je la rejoins totalement. Roma est complètement effacée. Franchement, le contraste, il est raté. J'aurais bien voulu qu'elle le fasse un peu plus. Qu'il soit là, le mec, quoi. Même si c'est, il est face à une femme forte, faut pas en faire non plus quelqu'un de si effacé que ça. Et le contraste aura peut-être été plus saisissant et ça aurait donné un côté plus piquant. Là, je trouve que, ouais, il fait un peu face aux événements. Il est un peu passif par moment, quoi. Et c'est un petit peu chiant. Juliette, elle est top, elle. Vous avez d'autres personnages, je vous dis pas tout parce que elle aborde aussi certaines notions LGBT notamment, et je trouvais que c'était très bien fait aussi, je ne vous dis pas lesquelles, je vous laisserai découvrir. Malheureusement, au niveau des années 20, on a tout le mouvement politique qui est présent, je suis d'accord. Par contre, les décors, j'ai à aucun moment, je me suis senti immergé dans les années 20. Hein. On ne parle pas des vêtements, pas plus que ça, on sait qu'il y a certaines. Certains vêtements traditionnels chinois, parce que moi j'ai été voir sur internet à quoi ça ressemblait, et je me suis dit, ah oui d'accord, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais sinon, ouais, je me suis jamais senti immergé dans les années 20, ça aurait pu se passer dans les années 2000, ça n'aura rien changé. Mais qu'est-ce que c'est long? Le livre fait 520 pages, ça met trop longtemps à bouger. Franchement, je vous donne pas le numéro de la page, ça sert à rien, puis de toute façon je ne l'ai pas, et je vous dis pas non plus à quel moment, mais franchement, ça bouge à plus de la moitié du bouquin. Faut le savoir. C'est qu'il y a du coup il y a une enquête qui est menée à l'intérieur du livre avec cette idée de virus. Et ça tournait en rond et au bout d'un moment c'était le serpent qui se mord la queue, était là, ouais, ok.
Et j'ai senti qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Alors au début, j'ai rien dit, parce que je me dis, faut introduire l'histoire, c'est en 2 tomes, faut introduire l'univers, les personnages, les liens qu'il y a entre eux et tout ça. Ça, je comprends totalement. Et du coup, on échangeait tous les jours avec Céline, et au bout d'un moment, je fais à Céline, je fais par contre, je fais ça va bouger un moment ou pas? Céline, elle fait moi, ça me gêne pas trop. Bah, chez moi, quand je commence à me faire riège, quoi. Elle me fait non, attends, elle fait Laurent, c'est une duologie, dis-toi que c'est une longue introduction, t'inquiète. Moi, j'allais. On écoute la voix de la sagesse, on écoute Céline. Et on continue à lire, et oh là là, je me faisais chier. Je devrais pas dire ça, c'est pas bien, mais je trouvais que c'était long, mais long, et il se passait rien, mais. Oh là là, crache-lotte à Val-d'Aube, et dis-nous ce qui va se passer, quoi. Et même Céline, au bout d'un an, commence à me dire, ah ben c'est vrai que je trouve un peu le temps long. Oh, je fais non, elle est plus là pour me motiver, qui va me motiver? Donc c'est tout. Et au bout d'un an, ça finit par bouger, et on se dit, ah ben ouais, quand même. Donc le livre, elle aurait pu enlever facile 150 pages. Hein. Je comprends, on sent vraiment qu'elle a à cœur de défendre son pays, de savoir ce qu'est les traumas qui ont été infligés aux gens à cette époque. Elle a envie de défendre tout ça aussi. Elle a cette notion de dire voilà, je suis une femme asiatique, je ne suis pas une femme. Donc, déjà, je suis une femme, déjà, c'est un handicap, hein, entre guillemets, enfin, handicap. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dur pour une femme que pour un homme dans la société. En plus, c'est une femme asiatique, c'est pas une femme blanche, donc t'en chies des ronds de chapeau. Ce qui est vrai. Et du coup, ça, elle veut vraiment le retranscrire dans son roman, notamment à travers le personnage de Juliette. On le comprend bien et qu'elle a vraiment ça à cœur, mais au bout d'un moment, il y a ça. Il y a le contexte politique qu'elle veut rajouter. Il y a l'enquête. Il y a le fait de Roméo et Juliette, faut en parler, machin bidule, elle le rajoute au-dessus. Et au bout d'un moment, tu te dis, t'as mis énormément de choses, meuf, mais t'arrives pas à tout mettre au même degré, parce qu'il y a trop de choses. Et du coup, je pense qu'elle s'est un peu perdue. Elle n'a pas réussi à tout mettre en même temps. Attention, je suis pas éditeur, je suis pas écrivain, hein, c'est juste un ressenti. Et c'était trop. Et du coup, je trouve qu'il y a des trucs qui sont passés un peu à la trappe, qu'elle rattrape au dernier moment. Puis à la fin, il y avait des trucs, une facilité de ouf qui arrivait. Je fais, ouais, non, mais non, mais non, tu casses ton truc, là. Enfin bref. Donc, c'était compliqué. Mais bref, on tentera le tome 2 avec Céline. On s'est déjà donné rendez-vous au mois de mai, parce qu'au mois d'avril, tiens, si vous ne le savez pas, s'il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne. Céline organise tous les mois au mois d'avril, avril autour de la SF. Donc on lit des livres de SF pendant un mois. Le challenge est hyper simple. De toute façon, je ferai une palle, je vous en reparlerai au moment venu. Et je vous réexpliquerai plus ou moins les règles. Mais voilà. On essaiera. J'ai dit à Céline, je te préviens, j'essaierai le tome 2 parce que je l'ai acheté, donc je l'ai, donc autant tenter. Puis d'ici le mois de mai, je pense que je m'en serai un peu remis. Mais si ça le fait pas, j'arrête. Franchement, je ne pousserai pas. Là, j'ai poussé parce que c'est moi qui ai été chercher Céline pour le lire avec elle. Et je me voyais mal arriver à la moitié du bouquin et lui dire, bah écoute, ça me plaît pas. Allez, finis toute seule, au revoir. Non. Bah non, c'est moi qui étais là chercher. Donc j'ai fait l'effort. Mais même Céline, elle a dit qu'elle ne forcerait pas non plus. Donc pour que Céline ne force pas sur un livre, hein, parce que Céline abandonne rarement ses lectures. Donc bref. Donc je dis pas que c'est mauvais. Tentez-le si vous voulez le tenter. Moi, je trouve que c'était pas ça. Donc voilà pour. Pour ce petit bilan lecture, un petit peu rapide, un petit peu hésitant, hein, parce qu'il y a des trucs que je m'en souviens plus trop, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et du coup, bah, ce reformat revient en force. Je vais essayer quand même de le faire un peu plus régulièrement, parce que là, heureusement qu'il y a beaucoup de graphiques, parce que sinon on aurait été dans le caca. Donc sur ce mois de février, parce que je crois, attendez, je vais vous dire ça, je crois que c'est sur le mois de février, c'est toutes mes lectures de février, me semble-t-il. Exactement. Je viens de vous parler de toutes mes lectures de février. Et du coup, tant qu'on est en route, mais je ne l'ai jamais fait ça, donc autant le faire maintenant. Sur mes lectures de février, je noterai cette trilogie que j'ai vraiment adorée en meilleure lecture. Et en graphique, donc je dirais qu'en meilleur graphique, je dirais L'amour et la mort. Même si, vous voyez, en roman, ça j'adore, mais j'ai pas fini, donc j'attends d'avoir tout lu pour vous en parler. Et Percy Jackson était vraiment quand même sympa. Et Harry Potter, ben, c'est Harry Potter, donc j'en parle pas. Mais voilà, je dirais qu'en sélection, c'est Wayward Pines qui était vraiment ma meilleure lecture de février. Et en graphique, c'était L'amour et la mort, notamment avec. Parce que là, je trouve que pour une fois, Junji Ito a vraiment insufflé de la psychologie à ses personnages. Et c'était beaucoup plus consistant que certaines choses qu'il peut faire d'habitude, comme c'est des nouvelles. C'est beaucoup plus court. Donc ça n'a pas le même impact. Mais voilà. C'était vraiment très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture de février. Je suis curieux de savoir, que ce soit en graphique ou en roman. Je suis preneur et j'irai jeter un œil comme d'habitude. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Encore dans une grande vidéo, je parle beaucoup trop. Et je vous dis à plus. Salut.